Ok. Alors l'album s'appelle Il était une voix, une guitare, et le principe en fait tout simplement c'est de faire des vrais duos joués dans les conditions de la scène. Et il y a une espèce de track qui crée du coup la sincérité et l'évidence des enregistrements. Les matins se suivent et se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. Ça va être à la fois un album très musical, sur le plan purement musique au niveau écriture, harmonisation, instrumentation, etc. C'est très élaboré, mais au service de chansons populaires, connues du grand public. Et ça, pour moi, c'est la plus belle récompense. Et quand je joue vraiment en pensant vocal. Et c'est ce qui fait que aussi les artistes aiment bien aussi venir faire des choses comme ça avec moi, c'est qu'ils savent très bien que je vais tout faire pour mettre en valeur la voix. Je n'aurai pas le temps, pas le temps. Je crois que tout est dans la finesse. Il est dans une élégance et surtout il arrive à s'adapter à chacun, je crois, et ça c'est un talent. Ok, take 11. Je te le jure, je n'ai plus oublié ton corps. C'est comme si on dansait ensemble en fait. En plus, on a la chance de pouvoir enregistrer ensemble côte à côte. Et du coup, je peux le regarder, on peut échanger des regards. Je t'aime encore. Et la joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. C'est un des exercices les plus difficiles à faire, finalement. Chanter avec une guitare. Le problème, quand on n'est que deux comme ça, c'est que qu'est-ce qui amène les nuances? Qu'est-ce qui amène la progression d'une chanson? Et lui, il a trouvé le truc. Commencera, tu verras, l'amour c'est fait pour ça, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon. Comme je lui dois trop de sous, chasse de sa table, oui mais sa table, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec. Il est capable de faire des choses à la guitare, c'est comme des gens comme Chet Atkins ou des gens comme ça, c'est-à-dire qu'à la fois, ils ont une technique mais à toute épreuve, c'est-à-dire que rien ne leur fait peur, quoi. Enfin, moi, je suis bluffé par ce qu'il peut faire. Il est génial, cet arrangement. C'est-à-dire que derrière, il y a, en plus, tu vois, moi, j'entends un groove, quoi. Ça groove, quoi, tu vois, juste avec une guitare. J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Il y a toujours quelque chose de très touchant chez les bons musiciens. Quand ils ont dépassé le fait d'être des virtuoses, il y a quelque chose d'assez détendu et qui va un peu à l'essentiel. Pour tout bagage, on a 20 ans. On a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart. On prend le bonheur toujours en retard. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, le jour du bac, le cognac, les refrains. Alors évidemment, il y a un public de guitaristes qui va être sûrement passionné de plonger dans les partitions, les tablatures pour essayer de travailler telle ou telle technique ou tel ou tel morceau. Le fait d'aller servir des chansons, un tel patrimoine, est une façon finalement de réunir un petit peu le monde de la chanson et le monde de la musique instrumentale à travers des mélodies qui sont des mélodies éternelles et des chansons qui sont des chansons éternelles. Vous qui passez sans me voir, sans me donner d'espoir, adieu, bonsoir.
Okay.